Je le redis avec gravité, il est responsable de ne pas participer à ces manifestations interdites. On refusera toujours ce diktat, cet autoritarisme qui nous interdit de manifester pour un bien commun sur nos territoires. C'est des atteintes profondes aux libertés fondamentales. Évidemment que c'est une journée avec certaines tensions potentielles, puisqu'il y a un lourd dispositif policier disposé sur la région. Et les participants s'exposent eux aussi à une sanction du fait même de leur simple participation. Non. Depuis quelques jours, j'observe qu'un certain nombre d'actions de destruction, de sabotage ont débuté, alors mineurs, sur des systèmes d'irrigation ici, sur des cabanes de chantier là. Comme on a déjà redit, les fermes, les individus, les vies humaines ne sont pas des cibles du tout.